Marc-André Pépin pour la TCBH depuis Saint-Simon au Bagel Saint-Simon et j'ai avec moi monsieur Pierre Varenka, copropriétaire des Bagels à Saint-Simon. Pour une petite entrevue, étant donné que monsieur Varenka vient de s'ouvrir une distributrice à Bagel. Donc, bonjour monsieur, ça va bien? Oui, merci vous-même, monsieur Pépin. Ça va toujours très bien. Excellent. Cette distributrice-là, pouvez-vous nous parler un peu de ce projet-là? Comment est-ce que vous avez accouché de ça? C'est un projet que j'avais dans la tête depuis un certain temps, mais on n'était pas prêt à le faire. Mais ce qui m'a un petit peu allumé, c'est que quand j'allais reconduire du monde à l'aéroport, il y avait des distributrices qui vendaient à peu près n'importe quoi, là. Des équipements audio-vidéo, évidemment, tu qu'on connaît des distributrices aussi, des repas chauds, etc., etc. Alors, j'ai dit, pourquoi pas? Des bagels. Alors, il y a plusieurs impératifs qui m'ont fait cheminer jusqu'à ça, là. Le premier, c'est que je peux augmenter les heures d'ouverture, ce qui plaît à tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui peut aller dans les plages horaires où moi je suis ouvert. Oui. Donc, on se l'avait dit pendant un certain nombre d'années. Okay. Il y avait ça dans le collimateur aussi, en arrière-plan. Il y a le fait que moi, je peux ouvrir sans avoir de salaire à payer, parce qu'une micro-entreprise, les salaires, c'est le premier poste de dépense. Puis, c'est pas que j'aime pas le monde, mais j'aime ça avoir l'argent dans les poches un petit peu aussi. Pour manger. Ouais, c'est cela. Puis, la troisième, c'est que ça, c'est pour les gens aussi. Là. Le fait qu'ils n'ont pas à courir pour venir ici, ils peuvent venir à leur convenance. Fait que pour ces trois éléments-là, puis ça me coûte pas plus cher, moi, de le faire. Là. Même si ça me coûte moins cher, j'ai pas de salaire. Okay. Donc, puis les gens peuvent payer toutes sortes de devises, là, de l'argent, des cartes PayPass, là, tout ce qui est PayPass. Ça marche avec ça, c'est high-tech quand même. Là. Oh, okay. Puis ça prend les billets de banque, ça prend aussi la monnaie en espèces sonnantes et trébuchantes. Ouais. Okay. Voilà. Donc, tout ça pour le plaisir de tout le monde. Ça fait, moi, j'appelle ça de la confluence. Quand ça fait l'affaire de tout le monde, ça ne peut pas faire autrement que marcher. Mm-hmm. Fait qu'il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui n'aiment pas généralement les machines, mais ils s'y font parce que je passe souvent dehors pour un peu coacher les gens pour utiliser la machine aussi, là, parce qu'ils rencontrent des petits pépins. Là. Ouais. Mais règle générale, je dirais 99%, ça va bien. Okay. Ouais, on n'a pas eu trop de gens qui ont été véhéments. Il y en a eu quelques-uns, là, mais je les ai remis à leur place. Ben non, ben c'est une machine. Il ne faut pas qu'ils me chicanent, moi, ben. C'est la machine. Donc, ça fait l'affaire pas mal de monde. Là. Puis moi, ça me donne une qualité de vie que je n'avais pas avant. Okay. C'est-à-dire, au lieu de finir à 8-9 heures le soir, grâce à cela, je peux finir comme tout le monde, à des heures raisonnables. Je peux même super à des heures raisonnables, parce qu'on ne rajeunit pas. Donc, moi, ça... Puis partout dans le monde, hein, ça fait partie des mœurs. Si ouais. vous regardez juste au Japon, où l'unité familiale est très petite, souvent une personne et demie, là, ils ont même pas de frigo. Okay. Ils vont acheter quand ils mangent. Ouais. Fait que des distributrices, il y en a partout. Des cigarettes, des fruits frais, du chocolat, alléluia. Il y a des distributrices pour tout. Des œufs même, un œuf. OK. Oui. Puis aux États-Unis, c'est l'inverse, évidemment. C'est dans le méga. Fait acheter, comme je vous disais tantôt, un gros pick-up flambant neuf à 150 000 $. Fait acheter ça d'une distributrice. Un pick-up? Oui. Okay. Oui. Je ne l'ai pas mis sur mes pancartes, celle-là, je trouvais ça un peu trop, là. Mais pour la bouffe, en tout cas, il n'y a pas grand-chose comme limite. Parce que ça peut être chauffant, ou ça peut être frais, ou ça peut être gelé, ces machines-là. Là. Donc, c'est une tendance qui s'en vient. Puis même, j'ai vu dans mes recherches des bouchers en France, des gens qui vendent de la viande fraîche dans ces machines-là. OK. Ouais. Fait que ça augmente leurs heures, eux autres aussi. La nourriture est de bonne qualité, elle est bien traitée, dans le sens qu'il ne peut pas avoir de développement de bactéries. Alors, ça fait l'affaire à tout le monde, ça aussi, là. Mm-hmm. Puis, techniquement, c'est pas tout le temps, parce que l'été, on aime le monde aussi, là. Mais on a nos limites, nous aussi, là. Fait que l'hiver, on prend ça un peu plus mou. Puis, en même temps, bien, ça fait l'affaire à tout le monde qu'on soit ouvert plus longtemps. OK. Et au niveau de la fraîcheur des bagels dans la machine? Absolument rien, parce que j'en fais les quantités, j'ai fait quasiment à mesure. OK. Comme ça, j'en fais... Ils n'ont pas le temps de prendre, ils n'ont pas le temps de sécher dans l'appareil. Là. De toute façon, vu qu'il n'y a pas de lait, pas d'œuf dedans, ça ne sèche pas ces bagels-là. Parfait. Donc, surtout pas au frigo comme ça. Là. C'est sûr que ce n'est pas l'environnement idéal, parce que nous, on pense que c'est à l'air frais qui est le mieux. Là. Ouais. Mais ça ne les abîme pas. OK. Puis, ce que je ne vends pas, mais je fais des chips avec. Ah! Bonne chose. Voilà. Une bonne récupération du matériel. Pas de perte, zéro perte.
C'est notre objectif, puis on l'a pas mal atteint. Là. Et vous me disiez hors d'onde que vous n'avez pas de pertes, autant au niveau de la construction de vos bâtiments, de tout ce que vous avez. Pouvez-vous nous en parler un peu? Ben non, justement, la bâtisse elle-même, je l'ai construite avec des matériaux qui me restaient d'autres projets. Puis, j'ai pris des morceaux d'un bâtiment qu'il y avait là avant, des restants qui me restent de ce que j'avais mis comme finition ici. Alléluia, fait que c'est presque tout du recyclé. Puis, j'ai même fait ma frise gréco-romaine avec du recyclé. C'est-à-dire, j'ai coupé un paquet de petits morceaux, des restants, là. Puis, je les ai collés, puis au clou de finition, là. Fait que c'est tout récupéré, même les vis. Et au niveau de Bagel Saint-Simon, juste pour ceux qui connaîtraient peut-être moins l'entreprise, pouvez-vous nous parler un peu de depuis quand ça a pris jour? Ça a pris jour l'été 2010, si je ne me trompe pas. Puis, depuis ce temps-là, on a dû vendre au moins 1 million de bagels. Au moins. Au moins. Quand je regarde vite, vite les chiffres d'affaires puis le prix auquel j'ai vendu à chaque année, là, ça fait à peu près ça, au moins 1 million de bagels. Puis, ben c'est ça, c'est des bagels type Montréal, mais qui sont quand même dans leur catégorie propre. C'est-à-dire qu'à notre connaissance, c'est les seuls qui sont faits qui pourraient être reconnus bio. À cette échelle-là, là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui en vendent de toutes les sortes, là, mais nous, c'est vraiment, on mise sur la qualité des produits qu'on met dedans, là. Puis d'autant plus que quand on est arrivé dans le bout, il y a 8 ans, il n'y en avait pas de bagel. Puis moi, je me cherchais une nouvelle façon de gagner ma vie ou de m'occuper jusqu'à mes pensions, parce que je veux avoir des pensions. Ben, j'ai choisi ça comme ça, j'ai eu l'illumination le matin. Et voilà, le logo était créé, mon plan d'affaires pour les 3 ou 4 prochaines années. Fait que j'ai tout écrit ça en 10 minutes, puis j'étais prêt à partir. Fait que vu que je ne connaissais rien dans la boulange, on a suivi un petit cours avec un organisme qui s'appelle l'École du pain, qui est dans la ceinture nord de Montréal. Puis on a suivi un petit cours là, puis c'était vraiment pas compliqué. Parce que moi, avant, toute la seule boulange que j'ai fait avant de faire ça, c'est un gâteau Dunkin's pour faire un gâteau pour un de mes fils. J'avais jamais fait de pain ou rien de boulange avant ça. Je voulais voir si j'étais capable, mais oui, je suis capable. Fait qu'il y a eu tout le processus d'essai d'erreur pour ce qu'on cherchait nous à obtenir ça, là. Puis on demande aussi à nos clients d'être nos goûteurs quand on travaille sur quelque chose. Fait qu'on a toujours du feedback tout le temps. Ah, il y a trop de ci, pas assez de ça, etc. Mais on suit ça. Mais on va avec les moyennes, là, ce que les gens aiment, ce que les gens n'aiment pas, là. Parce que c'est pas nous qui les mangeons. Non, c'est ça. Puis vous parlez des bagels style Montréal, c'est quoi ça en fait? Ben, la différence, c'est qu'il y en a deux types. Il y a ceux dans la région montréalaise, sont plus petits. Le trou est un peu plus gros. Ceux de New York et l'autre pôle sont vraiment gros, avec un petit trou dans le milieu. Alors, ça ne fait pas du tout la même chose quand on mange un sandwich ou quelque chose comme ça. Ouais. Fait que c'est la différence. Et si vous aviez à inciter les gens à venir ici, qu'est-ce que vous auriez à leur dire si vous voulez? Ben, venez goûter. On en a de toutes les variétés. On fait des petits sacs avec des mix. Parce qu'on en fait en saison aussi. Hein. On fait l'érable en saison, on fait le bleuet en saison. Puis l'été aussi, on en fait d'autres qu'on ne vend pas le reste de l'année. Bacon d'oignon, c'est bon ça. Oui. Fait qu'on en fait une dizaine de variétés un peu partout. Fait que l'été, vous pouvez venir goûter ça là, à votre convenance. Un gros merci. Un plaisir.